ça gagne. On va rentrer dans la question et kidnapping dans ce premier point qu'on a regardé matin. Alors bon ami, on va rentrer dans le point hein, qui madame Salo, c'est frère nous ici hein, qui a fêté et c'est commissaire Zamor. Commissaire Zamor. Zamor qui a fêté vraiment. Commissaire Zamor qui est beau. Qui pas jamais négligé prendre défense mon Tigouave. Belle non fête là. Ah oui. Côté la bière. Côté fête la fête. Bon qu'on est, bon qu'on va demander monsieur fête la fête. Mais nous souhaitons monsieur bonne fête, mais c'est dommage message qu'il décrit c'est dans conjoncture ça, c'est dans ouais. C'est constant ça. Bon, même bon, était dehors, donc il a dit qu'il est pour rentrer. Il est là, oui. Il est entré, ok, là, bien, okay. Là, mais vraiment, et situation, j'en veux rien. Il mettait tout le monde en travail. Non, non, non tout, là, bah, là-bas, pour madame, monsieur. Yeah. Ok, donc bonne fête au commissaire et Zamor Kebo. Donc surtout vraiment, un peu de courage, un état de santé parfait. Et puis succès continu. Mon petit goût mettre fier. Ouais, mon petit goût capable ouais. Fier de mettre Zamor Kebo. Kembela. Et puis pas oublier mettre Zamor pas quitter personne monde. Faut fâcher je dis même monde nous connaît connaît, OK? Donc Kembela, Kembela mon frère, OK? OK, bon, on aller sous table matin débat ça qui que je dis là. Haïti kidnapping. Dossier kidnapping, la police impuissante. Haïti insécurité, dossier kidnapping. La police impuissante, le gouvernement très passif, les gangs armés font la loi. À quoi doit-on s'attendre dans les prochains jours, madame, monsieur? Je dis, Haïti, surtout au niveau de la capitale haïtienne, pour moun vivre dans le pays, je dis, là, d'abord son choix pour faire le matin à tout. Bien entendu, si vous avez une option pour quitter le pays, de capitale dit on le façon pour vivre dans capitale là son choix qu'on fait. Ah oui. Ouais, pour vivre dans capitale là. Ah oui. Ouais. Ah oui. OK. Pour vivre dans capitale là son choix qu'on fait parce que là je dis hein, puis faut monde qui dans capitale là, OK, ils ont pied ta terre en Bovin, ça c'est sûr. OK? Parce que pression qui gagne là sous capitale là madame monsieur, c'est vrai que kidnapping dans les gangs armés, ils ont pratiquement sur toute l'étendue du territoire national. Mais des côtés, ou après, ils sont plus agressifs, ils sont plus présents. Yeah, ok? Ils sont plus à travailler dans des zones que à comparer à d'autres zones, madame, monsieur. Ils sont beaucoup plus présents dans des zones à comparer à d'autres zones, madame, monsieur. Alors, hier soir, okay? Je kidnappé un monde tout près de Kassav, restaurant et Pétionville. À Pétionville, oui? Et oui, à zone 7. Ouais. Non, bah, la fini là, qu'on y a là. Camo, là, pour un étudiant. Bah, la fini là. Ok? Ok? Moi-même, quand on dit, madame, monsieur, moi-même, pensais que. Dans le jour qui vient, nous sommes obligés de prendre une décision ensemble. À chaque fois que nous arrivons à Kafoussayo, c'est comme qu'on a déchiré moi-même le côté. Je n'ai jamais oublié ça. Tige, bandit qui était dans Kafoufeuille, qui était là au matin, et puis il a gâché un rangelio, qui a touillé plusieurs personnes dans Kafoufeuille. Est-ce que nous sommes songés? Nous-mêmes ici, dans le matin débat, nous te font émission. Qui t'a duré presque 8 heures de temps, presque 6 heures à 7 heures de temps. Oui, oui. Vous songez bien maintenant tout. Oui, oui, oui. Vous connaissez qu'on dit que ça qui a passé là, c'est inacceptable. Et son occasion nous-mêmes pour nous déporter contribution, pour nous attirer attention. Dirigeants, yo, les autorités policières, okay, les autorités gouvernementales, pour nous dire que okay, nous pas d'accord. Nous pas d'accord à gens que sécurité a l'abjuré pratiquement dans le pays. Bah, j'aime oublier ça. Nous avons réalisé une émission spéciale ça, près de 6 heures à 7 heures de temps. Je vais jamais laisser l'émission, c'était fini à 7 heures, 8 heures du soir. Yeah. Tout le monde a brûlé, tout le monde a brûlé en moi. Et le lendemain, ou du moins au coin de la même semaine, le problème était résolu. La police a fait ça pour le faire comme intervention. Et puis, il était neutralisé, tigé, jusqu'à ce que, soudainement, dans la zone de 83, on ait échangé avec la police, et puis tigé vient tomber. Depuis là, ça. Dossier TGA, non, Fontana, non, Kafoufeuille, dossier sabbatiquement, les classés. Moi-même, le connaissez, je crois que, je dis, et je le répète, les analystes politiques, les panélistes des émissions politiques, madame, monsieur, nous avons une grosse responsabilité. Et je dis, je crois que, faut nous prendre une décision ensemble. Et bien maintenant, tout le monde est parce que, écoutez, nous ne sommes pas citoyens au pays. Nous tous nous menacer. Chaque monde là qui a une épée d'Amoclès sous tête. Oui. L'indépendamment de qui chaque monde là qui a une épée d'Amoclès sous tête. Ni vous-même personnellement, ni madame, ni petite,
ni cousin, ni cousine, ni maman, ni papa. Et puis tout le monde était bras croisés. Et puis c'est garder garder et puis chaque matin on te des nouvelles, yo kidnappé un tel, yo tout un tel, yo kidnappé un tel, yo tout un tel et puis tout le monde croisé bras yo. Et puis nous là on a regardé donc passivité donc autorité yo, qui là qui croisé bras yo, qui va pas régler rien, qui va pas moun régler rien pour dans pays là. Et puis pays a parler madame monsieur. En tout cas, dans question kidnapping là. OK. Bon décision pour payer après madame monsieur. Dans question insécurité là. Gon décision pour payer après. Pas contre ça le parler. Gon décision pour nous pas comme citoyen pays ça. Comment contraindre en fait ces autorités là à prendre leurs responsabilités. Comment contraindre également ces politiciens. Nèg ça qui casse le pays là, comment capable contraindre yo? Je dis là. OK? Puis pas à alimenter gang yo avec zam avec balle terroriser population madame monsieur c'est le plus dangereux comment contraindre en fait ces monsieur de ce secteur privé je dis à qui prend plaisir OK pour montrer que c'est chef dans pays et puis c'est alimenter gang yo avec zam madame monsieur comment contraindre en fait tous ces gens là et quelle décision doit-on prendre parce que ça n'est pas possible n'est pas normal madame monsieur. Nous, on a passé l'autre jour là. Permettez-nous à tout. Quoi qu'il kidnapping qui fait là, qui va parler, non? Ah oui. Grand pile. Quoi, monsieur là, au kidnappé là, l'autre jour, permettez-nous à tout. Fais ce parti du secteur privé des affaires. L'autre jour là. Ils sont gros cadres dans l'administration privée, permettez-nous à tout. Information! Yo kidnappé monsieur devant travail li. Monsieur fait massissi à monsieur. Oh. Chargé. On gros quatre bon frère de l'administration privée. Ça va gagner un mois. Kidnapping ça fait dans pays. Yo libéré après 8 jours. Yo kidnappé monsieur. Yo fait massissi avec elle. Yo doge monsieur. Monsieur vinn gont tumeur nan tête li. Lè ou libéré la sanik prend mete l'on avion. Cool. Gaz kole kou avèl pou aller nan tête. Et Dieu seul sait jusqu'à minute t'a parlé là madame monsieur. Si famille ça a rétabli ce pan. Sur le plan psychologique. Parce que sur le plan traumatique également. Est-ce que famille ça va être capable rétablir? Monsieur ça, est-ce que la capable je dire tourner dans pays là? Famille madame ni petite li. Est-ce qu'on qui impact ça va faire sou yo pendant toute 13 vie yo? Yo kidnapper monsieur ya. Yo fait massissi avec elle, yo drogue monsieur. En plus yo baille l'argent pour libérer après 8 jours. Je tellement mal. Non libération pendant tout, ça n'est pas mettre l'homme avion, ambulance, gaz collé États-Unis. De famille ça a tout à l'énet. Bien maintenant dans tout. Non, you having mais qu'est-ce qui kidnapping madame monsieur? Qu'est-ce qui kidnapping qui a passé là? Qui passe qui a passé là? Yo pas parlé nous pas connait yo. Donc je dis moi te dis l'émission à télé au cours de cette semaine. Le kidnapping c'est un produit qui est plus rentable en fait je dis pour des secteurs en Haïti. C'est tout comme la misère. La misère c'est un produit. Donc d'importance pour des secteurs de l'international, également pour des secteurs complices de l'international, madame, monsieur, donc en Haïti. La question qui d'apine, monsieur Tabario, qui déprend demoiselle Vanessa Jean, et nous manquons cloche parce que nous libérons. Deux demoiselles qui ont déprend tabar. Nous songez, nous te parlons, monsieur, là, nous dit. Lugolezi Bob c'est depuis une balle monsieur respect. Merci pile monsieur pour respect. De même que vous rappelez m'ta parler de un peu mon belle qui habite quoi des bouquets. Quoi des bouquets. Jusqu'à ce que me demander comment 400 Maozo. Ouais, l'amour sans jour. L'amour sans jour. Pour lâcher mon yo parce okay. Que mon yo effectivement. Li bakop matin débat. Oui, yo te lâcher mon yo. L'amour sans jour merci. Des ti mon yo, des ti mon qui t'aime. L'amour sans jour merci en pile. Merci en pile. Alors et ça me dit nous, mais ce qu'a fait kidnapping yo.
gen la dou ki quand même gon minimum de conscience, mais c'est qui est-ce qui parle avec eux? Et c'est là moi dit jodi a. Si nous même leader d'opinion dans pays a, pays a fait confiance, yo ba nous certaines responsabilités. En fait, si yo permet que nous ait pouvoir de convocation, tant pis ba que nous capable résoudre dans pays a, madame monsieur. Parce que jodi a ouais même les cafés kidnapping non, même les qui dans gang non. Il pas capable attendre le Kodesi. Il pas capable attendre Bobse. Il pas capable attendre Gay Henry. Il pas capable attendre Gay Pepochal. Il pas capable attendre Zenith. Mais je dis à côté Gay Pepochal campé. Qui bon Gay Henry campé. Côté le Kodesi campé. Côté Bobse campé. Chaque nèg a bel affaire pas nous. Ou capable d'être trop jeune nous peut-être non discours de patriotisme de pays, de conscience nationale. Mais je dis à si en fait tout leader d'opinion que pays a respecté. Et bah voilà les gars, mais non. Tout leader d'opinion que pays a respecté. Que pays a bas respect. Eh bien, papa nous menti, madame, monsieur. Et que là nous parler d'une voix commune, d'une seule voix. Et que nous avons dit que, mais qui route que pays a prend? M'babou menti, quand il y a qui a changé, qui a changé les pratiques dans le pays. Monsieur, qui a fait guide d'opinion, m'babou menti, il attendait nous, il attendait leader d'opinion. Et nous avons deux exemples. Le mensonge que nous parlons avec Antilla Kissian, nous disons le mensonge, ba nous de Timounzao. Maté de Bamande yo. Et de fait, le lendemain, le mensonge ba yo parce que c'est Maté de Bakmandel. Parce que quand même, l'elbe se informe, c'est Maté de Baltande. L'elbe se comprenne réel politique là, c'est Maté de Baltande. L'elbe se comprenne analyse yo, c'est Maté de Baltande. Et le connaît Maté de Bak, il connaît nous. Le bas, il connaît ça qui a passé dans le pays, en un mot analyse, c'est Maté de Baltande. Là, si là, plus besoin de comprendre ou analyse, c'est Martin Debal, attendez. Parce que quand pile décision, vous même prenez comme chef de gang, comme Nek Gab Goumé, qui est examen dans yo, c'est à partir d'informations, vous venez dans Martin Debal ou bien dans l'autre émission. Hein? Et puis vous prenez décision. Hein? Parce que là, sous ta Martin Debal, toute parole pays a parlé. Moi, je dis ça déjà, je ne vais pas parler de l'autre parole que parole pays. Il a peut-être fort plaisir. Il n'y a peut-être pas fort plaisir, mais ici, dans Martin Debal, nous parlons de parole pays. Donc, ce qui tape, non, madame, monsieur, ça, société a fait avec question ça dans le pays. Monsieur Tabaré, t'as pris. Vanessa, Jean, remettre les machines. On tire machine. On tire dame qui a fait effort d'acheter les machines, monsieur. Nous finons rouler. Ok, nous finons rouler. 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 Non. Ça, janvier, il a commencé à finir. Il a commencé à payer. Ok. Il a commencé à payer en janvier. Ok. Ok, monsieur. Monsieur, maman, nous cloche. Nous finons virer. Nous finons bagarre sans problème. Nous finons pas blesser. Nous bagarre comme ça. Ok, et puis merci tout parce que nous pas te violer Vanessa avec l'autre Zamil. Ok, bien matin, où nous a passé? Monsieur, on prend deux mesdames yo, tabac. Dans la machine. Pas mesdames yo. Pas mesdames yo même. Il faut prendre tout que son sedop y a suivi longtemps. Où qu'on côté à la veille? Plateau central. Allié. Plateau central. Salut! Maman, nous avons pris là. Pendant que nous avons monté, mon gars, Brito, nous avons monté, nous avons monté, la machine n'est pas de gaz. Alors, mais son kidnapping, monsieur, et donc kidnapping, nous avons parlé là. Machine n'est pas de gaz. Monsieur, descend, vous faites mesdames, vous chutez dans la machine, non? Vous bandez sur vous. Et puis, vous descendez comme si rien n'était. Trois flandeurs. Trois, quatre jeunes garçons, ils flandeurs. Flandeur comme si c'est pas. J'ai un habit, nego Gekob. Je compte à promettre tout, nego flandeur, bien maintenant tout. Ok. Comprenez bien, j'ai un habit, ya. Ou pas, j'aime qu'à mettre dans tout que nexa se kidnappe. Et j'ai un capé bas out, là, y a prend plaisir, ça a fumé. Ou pas, j'aime penser que y a deux mouns qui ont kidnappé avec la machine. Machine n'a pas de gaz out, là. Et puis, y a une moto, y a lâché gaz, met de gaz, et puis continue. Pays libre. Pays libre. Est-ce que vous comprenez? Pays libre. Mais ça conquis d'abîme. T'as dit que. Où est-ce que ça n'a pas dit matin là? Il y a des gens qui étaient peur, jeune garçon. Ou à partir de samedi matin là, ils pourraient faire plus prudence avec jeune garçon. Parce que qu'on y a. Ou pas qu'à juger mon à partir de l'apparence là. Permettez la doute ou pas qu'à juger mon nom à partir de la pensée. L'autre, il a toujours mis ton visage sur un volet. Il a toujours essayé de mettre ton visage sur un nez qui est assassin.
L'OTAN, ouais, depuis que nous avons fait Dieu, Dieu dit, ah, ça, 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 ça. Ah oui, Opel. Parce que en 2003-2004, tu as Dieu de ceci, Dieu de cela, sous je mettrai ici, et nous avons pas de problème avec Xavier Dio, tout le monde. Comprenez bien? De vous entendre Dieu, tout le monde goûte. Eh bien, je dis à madame, monsieur, ou pas qu'à mettre visage sur le monde, ou pas qu'à. Parce que, ou, et je dis à. Parce que monsieur qui n'en question kidnapping, yon, un, il est riche parce qu'il a fait comme. Deux, il est comptable, il mette. D'ailleurs, il fait kidnapping, c'est pour qu'il n'y ait pas habillé, t'as goût le godesi. C'est pour qu'il n'y ait pas habillé, t'as goût et Jean-Paul. C'est pour qu'il n'y ait pas habillé, t'as goût et Gazman Goulet, t'as goût Pipo, t'as goût Chaba. Parce que les abgas de nous, il y a ce dernier qui bien fouet, qui bien habillé. Ok? Il y a un misère, il n'y a pas de travail, il y a à l'école. Ok? L'État pas franc pour vous. Yo vin jwenn zam, yo wè ke l fasil lo pe yo ka fè kidnapin. Yo wè ke nèg ki kon fè kidnapin avè ou ki rentre nan gang yo. La polis pa fè rien avec yo. Yo pa même kite yo et puis yo di sa k fè ou pa ka fè tout. Et ça lié madame monsieur. Yo di sa k fè m pa ka fè tout moi-même. Et puis yo commencé, yo font premier coup. Yo font deuxième coup, yo font troisième coup, yo wè ke bare la facile. Yo ke kontre situation et puis yo tombe net nan kidnapin. Et puis l'argent kidnapin madame monsieur. Kounya vient permettre que yo mette bagay sou yo. Donc ça dit que l'on jeune garçon qui freine dans la rue, m'a dit tout dans qui freine c'est dans kidnapping yo, non? Là ça me dit non? M'a dit tout dans qui freine c'est dans kidnapping yo, non? Mais je dis, ou pas qu'à faire un ou pas qu'à juger un monde, ok, un jeune garçon ou une jeune femme, ou est qui campe dans la rue, et puis vous dites que nek sa, li ka fait tel bagay, ou bien moun sa, li pas qu'à faire tel bagay. Pas sous figui. Donc c'est pas sous figui, madame, monsieur. Donc je dis que je dis à kidnapping, non, l'installer dans la société, hein? Et tout le monde d'accord, et tout le monde croise braille. Et madame, monsieur, c'est dur. Ce qui a passé là. Le kidnapping, comme on dit, c'est pas seulement l'acte. Le kidnapping, c'est pas seulement l'acte. C'est pas question de kidnapper les gens. Et puis les gens ont payé l'argent. Et puis après ça, on libère et puis c'est fini. Non, c'est pas vrai. Non, il y a un problème psychologique. Et tout ça qui va venir après. Comme je dis, je dis toujours dans l'émission Matin Débat, dans chaque mal, toujours combien? Nous ne sommes pas comme ça. Nous ne sommes toujours dans le Matin Débat. Des fois, elle cherche bien. Dans chaque mal, tout combien? Dans l'acte, des fois, elle cherche bien. Ou elle vient. Ou elle vient. Avec qui ça passe, madame, monsieur? Est-ce qu'elle connaît? Un mouvement de solidarité qui développe un militant haïtien à partir de kidnapping non? Cap développé. Ah, cap développé. Cap développé. Mais malheureusement, attendez. Ma vie dit qui t'a doué. Non, attendez, pas blé que. Solidarité qui a fait dans plusieurs niveaux. Attendez bien, madame, monsieur. Attendez bien, madame, monsieur. Ah, mais moi, apprendre ça à partir de dernier kidnapping. Je t'explique justement. Relation Matin Débat, proximité avec Mélissa Jean, que nous demandons monsieur libérer, que nous libérer pour nous, que nous demandons monsieur pour remettre machine non. T'es de là à pas prendre. Côté parent Mélissa devient agent. Côté papa Mélissa Jean devient agent. Eh bien, c'est même Jean pour tout. Attendez mon frère, côté famille devient agent, les amis. Qui s'est passé ce matin? C'est prêté à prêter dans chaque monde. Quand il y a des gens qui proche famille, des gens qui ont vendu ça, des amis, ça a apporté 25 000 gouttes, ça a apporté 50 000 gouttes, ça a apporté 100 000 gouttes. Eh bien, madame, monsieur, tout le monde qui a kidnappé dans le pays, puis fort là-dedans, c'est comme ça qu'on a libéré. Donc, ça dit que, ou en solidarité qui vient développer dans le pays ici, dans la question de kidnapping, non? Est-ce qu'on l'a? Comprenez bien, madame, monsieur? Tout le monde qui a kidnappé, puis fort là-dedans, c'est dans le pied. Puis on joue l'argent. Puis on négocie à moun qui a ravi sa yo. Puis on capable de libérer moun nan. Ça dit que c'est dans prêté. C'est dans bay kembe papier kay. Dans bay kembe papier machine. Dans plané machine. Papier terre. OK, dans bay kembe papier terre. OK? Eh ben, c'est dans ça oui madame monsieur. Moun ne sorti tête dans kidnapping nan. Mais ça pour nous connaître. L'homme dit que le kidnapping, ce n'est pas seulement l'acte. Ce n'est pas une question de kidnapper les gens, de prêter l'argent et puis de libérer les gens. Non, ce n'est pas ça.
Par exemple, deux mesdames, vous pouvez m'attendre à toutes. Les a cherché hier. Monsieur Lago sur route 9, parce que vous sortez mi-balle avec eux. Mm-hmm. Vous Lago sur route 9. Quand il y a, par exemple, vous avez ok, est-ce que vous avez besoin d'un gynécologue? Mm-hmm. C'est quand même. Là, qui d'a pour femme là, à terre là, là, très difficile pour ne pas violer ou. Il y a des gens qui ont besoin de négocier l'argent. Gen yon gila ki ta lese yon fontife kama yon tetel. E bi gon lot ki di, pa yon ba sa yon tiko la. Pa yon ba sa la. Ou kon yon, ou apto gwen yon nan ontize. Oui, oui, oui. Mon ka lese yon tetel li ba, e bi gen yon gon lot ki ba, di, non ba, yon pa fe pa kon sa. Frekan. Pou nou tourne la, pou nou tombe la, mesye. Kon yon. Le mesye ou vin konne. Se moun maten de ba, se moun loko dezir. Mm. Et puis, négocier ça qui était empêché l'autre là, violer Vanessa, il dit Ouais, autorité impuissante, la police impuissante. Eh bien, ça qu'est-ce qu'on y a là? Est-ce que nous tout apprêté et puis nous a décapitalisé et puis tout pour nous quitter le pays et puis tout pour nous apprêter et puis pour assassiner nous, puis tuer nous, puis kidnapper nous? Ça n'a fait ça. Eh bien, c'est l'autre solidarité ça qu'on y a qu'une besoin. C'est l'autre solidarité ça qu'on a besoin qu'on y a là. Bon, kidnapping. C'est même pour mettre là qu'on y a là. L'autre cap dit halte ouais. Là. Ouais. C'est solidarité ça. C'est ça que ce qu'on y a là ben matin là tout. On a plein non, on était dans chambre là caillou à plein hein et c'est laisser moun pau ou relé en moi hein. C'est laisser l'autre secteur ça ou relé en moi. C'est l'in pas besoin. Kidnapping nan tout partout. Tout partout. Li gayé qu'on y a. Non, bala gâté là. Ouais, l'homme ça dit nous qu'on y a conseil des kidnappeurs qui pas même vrai servir avec boss, yo fait affaire pas. Non mais c'est ça me dou. Ou imaginez. Yo pas faire boss quoi. Bah libre. C'est eux qui bossent cette paille. Ouais bon quand on kidnappe une fête. Autant de parler de Montsaline, il y a parlé de Savane Carré, gros gang à prendre machine. Oui. Ah ben bon. Dans même zone là où quitter la cul. Eh ben ou fin jambe pont hein. À terre là, gain un malheureux qui marcher qui c'est moun zone là moun gomone. Eh ben ti monsieur kidnappé lui. Adieu. Ah, mais. Il est à tout niveau. Qui est-ce qu'elle paye pour lui? Donc, il y a un cap kidnappé. Il y a un kidnappé. Mais paysan. Comme tout le monde a fait paysan. Il y a un nègre dans un dehors là qui a fait des amas. Et bien, il a fait kidnapping par lui. Qui est-ce qui paye? Devant pas monsieur, chance pas Fia, c'est famille Daniel Inelus. Famille Daniel Inelissu? Oui. Daniel FM, oui. Ah. C'est pas Daniel FM qui a payé Cob? C'est Daniel FM. Daniel, famille Relé, mais qui a kidnappé. Ah bon? Moun kap mache à terre, ou paysan, kap mache. Fia, a mache m'dou fin kite pour la cul. Yo kidnappé paysan. Oui, la mache, quelques familles ou bien tout. Oh oh, yo kidnappé. C'est pas possible. C'est mais Daniel, il est obligé de relever, qui dégage. Alors, qu'on y a là, c'est pour nous dire, quel que soit côté au monde, yé, suivez-vous. Non, quel que soit côté au monde, suivez-vous. Cela, madame, monsieur, écoutez, moi-même, j'ai des amis dans la diaspora qui disent, Mlouko, je ne suis pas venu à Haïti. Si vous m'avez réglé, avec une famille, je fais famille en ville en République Dominicaine. Je régler le avec. Et comme ça, pas ça, tout, frère. Longtemps, dès qu'on a encouragé, je me dis non, on ne va pas faire comme ça, on met passer pas cap haïtien, ou du moins, debout de son là, c'est. On n'est pas même capable de faire ça avec ma tête. Il fait ménage, il fait passeport. Et puis, République Dominicaine. Si on se met, il faut se faire. République Dominicaine. Bon, ben, je dis, il y a un pile mariage qui fait entre haïtiens qui étaient en Haïti, qui vivent en République Dominicaine avec des mouns. Qui a vu dans la diaspora, aux États-Unis, également en France.
Parce que avec phénomène de Facebook, réseaux sociaux, il y a une connexion qui fait entre mounio, ok? Et qu'a prétendre que pays bon, qu'a prétendre que bah, et situation il y a amélioré et puis il est capable ah ben solution moun nan li jwenni li fait partenaire à travers la République dominicaine comme il était voyé pour en Haïti li voyé en République dominicaine li loué ca en République dominicaine et puis li marié avec en République dominicaine madame monsieur on voit que semaine regardez dominicani somme éclaté yo sur l'étude ouais. Mariage haïtien tout côté et haïtien remet belle bagaille. Mariage sous bateau, gien on l'amdan de pas marié en non sous-marin. M'a parlé. Ou pas photo ça? M'a parlé. Mariage sous-marin. Mais oui, m'a parlé, gon image moins vive moi-même. On sous-marin, on mariage sous-marin. On image très négative. Ils ont invité de mariage ça. Nous comme m'a dit, dans même moment, mon yo t'en bas pont. Alors, quel que soit moun qui gagne image ça, yo ka voye explication pour moi. Gon haïtien paraît-il qu'il était son petit motocyclette. L'homme à image là, monsieur Maré, des bras des dos, monsieur Nanti Canal, sous route là. Yeah. Et moi, je pense que c'est en Dominicani, je ne pas connaît. Ok. Moi, ouais, on l'autre, on est pas clair. Ça fait me penser Saint-Domingue. Qui a concouline? Cap tapé monsieur Kouline. Et moi sans nan rigole là. Parce que moi Kouline nan tête monsieur temps en temps la frappe Kouline. M'a parlé dans Kouline. Dans Kouline, très bien. Gen on l'autre qui vini semblait cap dit monsieur pas fait ça. Et y a discuté. M'a parlé même pendant donc son vidéo lié ou bien c'est en vidéo. Très bien. M'a vu. Même... passé déjà ah, écoutez. Côté. Et puis dans le moment, il y a fait circuler. Et toujours dit moun, toujours dit moun. Rappelez-nous bien, même si tout bagay ou te de gen Saint-Domingue, c'est vrai que n'a pas passé misère ici. Yo fait nous tout bagay ici, yo a les âmes sous nous, yo fait nous passer tout bagay. Yeah. Bon, ça veut dire que ça pas plus grave pour ça qui a passé ici, qu'on y a ou pas qu'a dit plus grave. Mais, toujours dit moun, l'arrivée Saint-Domingue, rappelez-nous bien, pour nous prendre précaution nous. Tenez compte. Qu'on côté pour nous aller. Très bien. Tenez compte de ce qu'on dit là, loco. De ça nous décrit là, nous qu'on dit déjà que classe moyenne nous il pas atteint encore. Et la majorité monde qui parti là là ces derniers temps, ces derniers mois, c'est l'intelligence haïtien qui parti qui pas là. Pour la plupart. Classe moyenne. Tenez compte de ce qu'on dit là, un monde qui était ménager Haïti, il fait la Saint-Domingue, il loue Kaibouli, il est là le rencontrer. Quand il a transfert voyer, il pas voyer l'Haïti encore. Non, Saint-Domingue, oui. Plusieurs petits business qui étaient ici, ils ne sont pas capables de faire des recettes sur eux, ils ont fermé, ils ont ouvert Saint-Domingue. Artistes, qui ont fait le programme Kounia? Saint-Domingue. Ça veut dire économie noire, l'albazé, Saint-Domingue. Pour le moment. Il y a un studio. Tenons compte. Il y a un studio, Saint-Domingue. Derrière les studios ici, il ferme l'affaire Saint-Domingue. Tenons compte. Merci Baudelaire. Tenons compte de tout ça. Est-ce que. Mais c'est. Côté. Abidane sorti avec bagay la bin pacifier Haïti ça. Boul bon pou li. Non mais attendez. Pour qui ça boul pacifier li bon pou li? Attendez mon frère. OK, situation nous hier jodi là, est-ce qu'elle pas bon pour République Dominicaine? Non mais songez. Pacifier pour qui ça? Songez moi dit ça déjà sous table matin débat. Madame monsieur une question qui kidnapping dans moi dit ça déjà. Gang yo gen des ramifications internationales. Pas aucun gens et je le répète. Pas aucun gens. Et conviction fait sous ça. Pas qu'on kenje pour Dominique, pas qu'on mène la question qui d'habit dans le pays. Mais dis, ça va pas qu'on va dire le contraire sur lui. Pas qu'on kenje. Salut Baudelaire César. Que ce soit dans le bail, gagne aux âmes, dans le vin aux âmes. Ok? Que ce soit donc qu'on a protégé. La facilité. La facilité, ouais. Parce que pas oublier, les l'argent fin fait en Haïti. Côté là, aller. Le dépenser. Et c'est Domingue qui a dépensé. Vous n'avez pas pris plaisir dans le pays. Qui va y prendre plaisir? Mais c'est pas bien, madame, monsieur. Ce qui ça nous gagne là comme situation. Tiens. Et c'est lui qui m'a fait faire comprendre chaque jour dans le matin débat. Et c'est lui qui m'a dit hier matin dans le matin débat. Ça nous gagne là comme situation. C'est pour une situation qui s'est pliée. C'est pas un hasard quoi, ça qui a passé dans le pays là. Et puis l'on écrivait. Non! Guider mes invisibles. Ok? Pour justement ça nous donne là. Pour nous toujours être comme ça.
parce que les bénéfiques ont quand même à d'autres secteurs. Mm-hmm. Maintenant, je dis les ambitions, l'ambition des Dominicains, c'est pas question de faire comme avec Haïti. Non, c'est pas question de pacifier Haïti. Il finit avant. Ok. L'intention des Dominicains, c'est occuper Haïti. Avoir une seule gouvernance pour l'île. Et que c'est eux-mêmes, je dis, donc qui peut diriger l'île là. Mais intention dominicaine. Et semaine ça, ils commencent à voir ça, économie haïtienne représentée pour eux. Ah oui. Ils commencent à voir ça, économie haïtienne représentée pour eux. Oui, Dominicain a mené dans un moment là. Parce que économie haïtienne, les drainés là, donc faire la République dominicaine. Déjà, la diaspora haïtienne, nous avons mené qui économise à la fin de cette année, donc 2021, pour nous dire qui quantité de l'argent diaspora te convoye et qui quantité que nous recevons. Et qui quantité que Dominicani recevons. On n'a pas les deux pacifiques. Alors, Daniel, si Daniel Foot te dit pour venir, te demander intervention militaire, puis c'est à ça que vous mettez devant, comme quoi ils sont moun fou, ils pas d'accord, oui, ça qui est là par nécessité d'une intervention. Et puis c'est Dominique qui a fait plaidoyer pour gagner une intervention, pour des forces venir. Monsieur, qui prend nous pour. En plus, il a maltraité nous, mais il prend nous pour des imbéciles, correct. Mais nous porter tête noire et tout comme des imbéciles. Ou un ex qui l'a. Et pour quitter là, hier, qui l'a joué, qui l'a demain. Eh ben, nous pas être devant blanc tant qu'on paquet monde qui pas de jamais à l'école. Attendez. Qui pas de jamais à l'école, qui pas gain capacité pour nous réfléchir, pour nous faire aucune analyse. Monsieur, bon qui foot dit il était besoin j'ai situation Haïti là. Il tape dans l'intérêt américain. Oui, j'ai situation là, c'est une intervention militaire seulement qui ca et ben et fini avec lui. Il dit non, moment ça caté là, il pas mérité. Et puis n'a pas appuyé Saint-Domingue, n'a pas appuyé Abinadel qui dit bon non état nous est là, faut nous gon intervention militaire, l'a demandé Guatemala, l'a demandé l'autre côté pour poser. Ah c'est quoi ça l'a demandé là? Ah il pas bon pour Amérique pas qu'à venir, mais République Dominicaine qu'à venir. Qu'à venir. Écoutez madame monsieur, vous avez même dit nous matin débat, c'est deux cas. Ou bien accepter de matin débat. Ou bien que ça nous dit yo, nous ouvrez oreilles nous pour entendre. Peuple haïtien, nous en danger. Là, nous en danger. Peuple haïtien, nous en danger. Oui. Peuple haïtien, calé genou. C'est pas petit jouet qui veut sous tête nous là. Nous, c'est pas petit jouet qui veut sous tête nous là. Donc, peuple haïtien, calé genou. Je veux dire, kidnapping, non, ça la favelle. Baba nous menti. Nous mettrons dans nous pour la semaine prochaine. Maintenant, je dis, Daniel Foot, mandé intervention militaire. Malheureusement, ça n'a pas fait que nous accepter l'inacceptable. Ouais. Mais je dis à tout le monde, debout a dit, faut que des troupes militaires qui viennent là pour résoudre le problème de sécurité à tout le monde. D'accord? Parmi tout ce qu'a fait qui n'est pas bon, que l'étranger a fait nous qui n'est pas bon, on ne peut pas bon ça. On ne peut pas bon ça. Ouais. Comment, mais madame, monsieur, c'est ça fait me dire nous pendant la semaine, non? Mais Mali a fait là. Mais Mali a fait là, madame, monsieur. Y'a un problème de sécurité là, car même j'ai que Haïti, je dis, y'a un problème de sécurité. Eh bien, décision Mali pour aujourd'hui, c'est que le gouvernement engage des forces militaires privées pour venir faire sécurité là, pour clean up terrain qui est miné par des gangs, et puis ensuite pour entrer dans la question d'élection. Mais nous-mêmes qui ça a demandé nous, pendant nous plein gang, pendant nous plein âmes, nous plein qui ça a demandé nous élection seulement. Élection seulement. Il a demandé nous élection dans condition ça. Dans condition ça. Il a exigé nous la demandé non. Il a exigé nous élection dans condition ça. Elle dit que nous on va pacifier nous non. Nous sommes dans une confusion totale que international a mettez nous. La mettez dans une confusion totale pour ne pas comprendre rien rien. Pendant ce temps toute droite qui est là. La vue sous tête, peuple haïtien, et c'est yo qui a vu fait là. Bien entendu, avec la complicité de nègres, de petits nègres qui sont des esclaves, qui ne comprennent rien, qui seulement ouais, l'ogre pour être qui seulement motivé par une question de plat manger. C'est Dominique, c'est dommage. Yo qui a vu là, mais c'est même pas d'ailleurs, nous avons nous, et nous avons continué de sortir. Ok?
C'est dommage. En tout cas, il faut agir et c'est nous pour agir. Nous en danger, okay? Grand danger. C'est nous pour agir. Mais cependant, nous sommes en danger. Ok. N'a demandé à consul général James Jacques. Là, monsieur là-bas, consul général là, lui. James Jacques qui est Santiago. Oui, Algonbaga, oui. Okay. Qui vraiment l'aide. Consul général James Jacques dans Santiago. Moun qui connaît James Jacques, fais monsieur le matin de barre, monsieur explication pour le bail. Ah oui. Ok. Nous allons proposer l'entourner, n'a pas traité question ça. James Jacques, qui est consul général dans Santiago. Ok. Donc nous besoin d'explication sur ce qui passé hier là. Donc dans Santiago, avec étudiant haïtien. James Jacques. De même que Luko. Consul général haïtien, donc qui est dans consulat haïtien dans Santiago. Martin Deba mandé explication. Ce qui passé hier là, donc dans Santiago. Nous espérons que nous avons donc avoir une chose fini. Ah, c'est un. Okay. Deuxièmement, nous gagnons pour nous à Jean Abel, yeah, ben. Et ingénieur qui était ensemble avec le président Jovenel là, mm-hmm. Et ingénieur des travaux publics, ministère des travaux publics, et ils font une déclaration probablement matin, hein, mm-hmm. avec Bob C. Sur la question route. Nader. Uh-huh. Et Jean Abel voulait répondre. Ok. Monsieur dit route. Jean Abel et Port de Paix ont commencé. Bon. Menti. Donc, ouais. Mal l'école. Si vous n'avez pas mal l'école, vous avez dit que vous n'avez pas ignoré seulement, non? Ou sont les gens qui. Ou sont les gens là comme Nado, ou sont avec net, ou même si déjà au calé. Ou sont avec, madame, monsieur. Elle dit que nous avons pile les efforts pour nous faire, madame, monsieur. Nous avons pile les efforts pour nous faire. Et la politique, c'est une science. Vous regardez le niveau politique, j'ai la fête dans notre pays. Et je dis, vous regardez les gens qui font politique dans le pays d'Haïti, vous voyez que c'est deux bagailles diamétralement opposées. Regardez ce qui a passé en France avec Sarkozy. Sarkozy fait pas le point de la prison là, madame, monsieur. Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, il fait condamner là donc à un an de prison ferme. Vous avez vu ça? Pour l'argent, il est mal ramassé. La campagne électorale. Pour la campagne électorale. Vous avez dit que c'est Domingue. Vous avez dit comme c'est Domingue. Là, j'ai mon ami avec Michel Martelly. Oui. Ça, c'est bien, madame, monsieur. Ouais, ça arrête là. Il est venu l'enterrer. Mon pays, qui juge le président, qui condamne le président, parce qu'il était mal ramassé l'argent, il était dans la campagne. Par contre, ici, Negabdou, moi j'avais mon candidat, et je frappe pas que je voulais, l'argent jeune. Et vous? Eh bien, mais ça va passer là. Elle dit que nous loin. Nous avons pile l'effort pour nous faire, madame, monsieur. Mais il faut pour nous faire. Pour nous capables de décoller réellement, nous avons vraiment besoin d'une équipe qui avise. Nous avons besoin d'un bon capitaine. Nous avons besoin que tout le monde implique. Nous avons besoin que je dis tout. Ça va les classes silencieuses là. Il faut suspendre. Abdite tes classes silencieuses. Il faut nous sortir de silence là. Parce que je dis, il n'est pas possible, il n'est pas normal pour nous mener tête nous là. Nous devons faire mieux. On peut faire mieux. En tout cas, on faut camper là sur question. Alors, il y a Abel de Colline qui a un problème courant là dans le plateau central. Le problème courant, bien. Ok, là, il ne faut pas parler avec lui. Ok. Et si il y a des gens Santiago là, nous allons parler avec des gens Santiago. Des étudiants qui Santiago nous contactent. Et monsieur Wilson Paul, nous font parler avec un étudiant dans Santiago. Et nous demandé à ce que monsieur James Jacques. Et consul général, consulat haïtien à Santiago, Mateleba besoin d'explication dans même sur ça qui passé hier Santiago. Donc si il y a des monde là et qui Santiago, des étudiants qui Santiago. Contactez José Lexidor, nous besoin connaître ça qui passé Santiago hier, le consulat haïtien côté que nous que l'armée dans cadre vidéo à battre étudiants haïtiens. Et selon information, c'est ta consulat qui t'a qui t'a fait appel avec eux parce que étudiants ont des passeports. Je pas venu. Nous besoin d'explication sur ça. Et député Abel de Colline, comment nous bonjour Louko, bonjour Josué, Pierre Martin, Esaü. Ben nous connaît et c'est toujours avec plaisir moi suivre étendez émission yo. Même lorsque nous pas partager tout point de vue, mais c'est l'actualité du moment, c'est audience moment. Donc, moi, remercie vous pour l'opportunité. Ça, c'est vrai que débat qu'a fait yo, c'est toujours de débat qui est intéressant. Nous faisons bon temps là à débattre de questions qui dumping, non? Et d'accord avec vous,
Louko, c'est nous tous qui exposé. C'est peut-être moun qui n'a machine blindée. Encore que, il n'y a pas longtemps, nous rappelons, il y a de cela quelques mois, si je ne me trompe pas, c'est sur route Canapé Vert, il était arrivé tuer un entrepreneur en dépit du fait que c'était une machine blindée. Donc, je veux dire, nous tous exposé. Moi, je crois que nous n'est pas capable de continuer de façon passive à victime ou encore à regarder comment situation a détérioré. Moi, quoi, monde qui a une responsabilité, yo, faut que, mais vraiment, yo montrer si yo capable, que yo agit, et si yo pas capable, que yo fait appel, ou que yo se déplace, yo, bah, l'autre monde, qui capable, au prix de sacrifice, en tout cas, poser des actions pour éviter que, pita papi triste, déjà, nous déjà dans la tristesse, puisque l'Église, je vous le dis, représentait on rend pas pour monde qui désespéré, on rend pas pour monde qui peut-être à bout d'espoir, c'est à travers l'Église, lorsque mon à l'Église, l'y chanter, l'y prier, ben pendant longtemps, pendant un certain temps, pendant un jour même, probablement pendant une semaine, le fait que l'été passe son moment d'adoration, le fait même que l'été passe son bon moment à l'Église, les capots qu'on joint les poursuivent, mais bref, la vivre dans l'espérance. Or, jeudi, avec ça qui passait dimanche devant un portail à première église baptiste de Port-au-Prince qui a quelques mètres de palais national, eh ben même la peur qu'on y a moun gagné pour y aller à l'église. Ouais, donc ouais, quoi ouais. Son situation qui extrêmement dégénéré, par quoi nous capables d'arriver plus bas. En tout cas, Louko, moi été sollicité intervention ça, parce que pendant que phénomène kidnapping, phénomène insécurité à la faire rage, l'État ou bien l'impression, c'est à tous les points de vue, c'est à tous les niveaux l'idée démissionnaire, et ou bien l'impression l'État même parfois, même le minimum, n'est pas fait effort pour que les réseaux dont c'est le problème. Moi, je voulais parler de problèmes blackout à travers le plateau central. Mais c'est pas première fois, c'est pas deuxième fois, nous avons moins occasion à travers Matin Débat que moi tirer la sonnette d'alarme par rapport à gestion qu'a faite de questions centrales hydroélectriques Péligre. Ou imaginez depuis sous administration ingénieur Nader comme ministre des TPTC, depuis sous administration monsieur Présumé qui était en tête EDH, monsieur Présumé de façon cavalière, de façon autoritaire, en dehors de toute norme administrative. Monsieur révoqué de monde qui était affecté dans la centrale hydroélectrique Péligre parce que l'estimé, c'est des employés fictifs, monde ça a été. Alors que Louko, c'est le monde, pour la plupart, qui a 3 ans, qui a 4 ans, qui a 5 ans, hein, et plus même depuis à travail, c'est des employés réguliers, c'est pas le monde qui est à l'étranger, qui a procédé à chaque mois, non. Mm-hmm. C'est le monde qui dûment signé les feuilles de présence. Et ils ont constaté, c'est le monde qui travaille, puisque le ministre Nader à l'époque était délégué en commission pour t'aller vérifier. Eh bien, en dépit du fait que vérification a été faite, ils ont constaté que le monde, ça y est, administration directeur présumé, était révoqué à ses des employés réguliers. Eh ben, yo t'es engagé, yo les MTO, le ministère des TPTC et des H pour que yo t'es payé Mounsayo, puisque depuis lors l'ancien directeur présumé t'es pris une décision pour révoquer yo pas trop se voir chèque yo. Eh ben, yo t'es pris un engagement pour payer yo. Eh ben voilà que jusqu'à présent, hein, plusieurs mois après, problème ça pour que j'en me résoudre, ce qui fait depuis tantôt 5 jours, Mounio employé ça yo obligé bloquer centrale hydroélectrique Péligre là encore, et qui vient poser un problème de rationnement de courant électrique. Le plateau central mis en balai sur 4 jours là, depuis pas gain courant du tout, et de zone même dans la région métropolitaine de Port-au-Prince qui est alimentée à travers Péligre, yo même tout, yo pas gain courant. Donc, nous croyons que c'est très irresponsable de la part de l'État, de la part de ce gouvernement,
gagné une commission qui a géré EDH et commission ça moins les coins yo au passant yo au courant de dossier ça parce que c'est pas le monde qui pat là non yeah, c'est le monde qui était dans EDH qui était au courant de problème non donc au lieu pour yo acquitter de dette ça yo gagné pour moun yo et c'est des employés intermédiaires c'est pas le cadre de monde qui a touché par contre 250, 260 000 gouttes, j'entendais pour mon quitter dans vrai faux épée, président Jovenel Temeke Soupira. C'est des petits employés pour la plupart qui ont touché 20 000 gouttes, 17 000 gouttes, 30 000 gouttes, 40 000 gouttes. Ben, nous croyons que EDH a des capacités pour résoudre le problème, ta, puisque ce n'est pas ni 2 000 mounes, c'est pas 3 000 mounes, pas même quoi, on centaine même. Donc, c'est de la mauvaise foi et qui plongeait tout ton département et même de communes dans la région métropolitaine. Donc voilà, mon plateau central, en tout cas, yo très inquiet, puisque Jean Konen Louko, son département, on connaît très bien. Bien. Le fait que plateau central gagne Central Hydroélectrique Pélig, et c'est un département, notamment mis en balai, c'est un côté qu'on est courant 24 sur 24. Donc, question génératrice là, j'ai l'impression que c'est un département qui était moins génératrice la dernière. Mais, malheureusement, depuis un certain temps, nous, yo, non blackout. Donc voilà, nous, tirer la sonnette d'alarme, nous fait énième appel ça. En dépit de tentatives nous fait auprès d'un certain Norca qui tirait de province dans l'EDH. En plusieurs occasions, nous lui promettons la retourner un appel. Il va jamais faire ça. Donc, on croit que c'est très irresponsable. En tout cas, si gagner un route qui bloqué dans le prochain jour dans le plateau central, nous croyons que c'est la responsabilité Mounsayo. Nous espérons que la primature, puisque comme vous le disiez, il y a un seul chef à bord, aussi illégal, illégitime que lié, mais c'est le premier ministre Ariel Henry. Donc nous espérons il y a pas prendre des dispositions rapides pour passer des instructions pour que le ministère des TPTC, pour que EDH résoudre le problème ça, pour permettre Central Lac à recommencer à fonctionner et permettre que zone qui est alimentée à travers Central Hydroélectrique Pélig-là, il arrive à joindre cours. Ok, alors qu'on est que député Abel Dekoné, nous ne sommes pas capables de nommer au matin débat pour ne pas regarder les questions politiques. Les émissaires sont dans nos murs, les émissaires américains après la démission de l'envoyé spécial Daniel Foot, et il y a deux émissaires qui participent donc en Haïti, qui venait pour rencontrer des acteurs politiques autour de la crise haïtienne. Et au niveau de Kadoa, vous n'avez pas été contacté, non? Oui, mais il y a un délégué Kadoa qui a pu rencontrer émissaire américain avant journée en fin, je dis en même. Ok, ok. Sur qui ça nous va discuter nous-mêmes au niveau de Kadoa? Est-ce qu'il y a toujours une même position et que nous avons gagné antérieurement? Alors, d'abord, nous prenons connaissance de l'agenda et émissaire Sayo. Il est vrai que Yodi a vini pour aider joindre une solution à la crise haïtienne et il a réaffirmé que lui-même est en faveur, est favorable à une solution haïtienne. Il dit que il a pas bien imposé une solution. En tout cas, à niveau Kadoa, Jean ou Konen Loukodési, nous-mêmes, nous avons toujours fait des propositions pour une sortie de crise. Mais malheureusement, nous avons fait une proposition pour que gagner on sorte de conseil d'État, en tout cas, conseil de gouvernement, puisque dans compréhension pas dans Kadoa, nous croyons que tout secteur concerné dans situation paysan jodien, pas gagner un secteur, pas gagner un monde, pas gagner un parti politique qui est capable de prétendre à lui-même seul, il est capable de bailler solution. Donc, nous dit comme tout le monde concerné, donc tout le monde oui, la donne. Et c'est ça qui était inspiré une proposition. Ça. Malheureusement, et proposition ça, même lorsque en pile l'autre secteur reconnaît l'importance, mais les pattes fait chemin, nous arrivons à monsieur Ariel Henry qui est en primature, nous connaît dans quelles circonstances que l'arrivée à la faveur de yon choix que le président Jovenel t'a fait de lire et tout récemment là gagné un protocole d'accord, il y aurait les protocoles d'accord pour une gouvernance intérimaire, pour une gouvernance apaisée.
un accord qui pas fait l'unanimité, un accord qui somme toute pas capable l'État permettre véritablement gagner une sortie de crise de manière durable, puisque vous constatez que en dépit du fait que Accord a commencé à appliquer, puisque c'est sous base Accord, le Premier ministre actuel a pris un ensemble de décisions, il révoqué le ministre, il révoqué le commissaire du gouvernement et il pral procéder me semble-t-il, en fin de semaine, si c'est pas demain vendredi, avec installation de membres CSPJ pour capable permettre, en tout cas, rentrer judiciaire, la justice qui est capable de reprendre un fonctionnement, pour ne citer des décisions Sayo seulement. Mais en dépit de toute action Sayo, protocole d'accord, il n'a pas fait l'unanimité, puisque il n'est pas vraiment un protocole d'accord qui inclusif, gagnait au très faible représentation de la société civile non protocole d'accord ça et au niveau des secteurs politiques, des secteurs non des moindres, des secteurs importants qui jusqu'à présent exprimaient des réserves par rapport à protocole d'accord primature. Maintenant, est-ce que gagne possibilité à travers arriver émissaire Sayo pour intérêt au concilier entre le protocole d'accord de la primature qui commence à mettre en œuvre mais qui n'a pas fait l'unanimité, en tout cas qui est controversé, et de l'autre accord qui au même prend entre les secteurs politiques, Le Pen, même lorsque Pen gagnait des partis politiques qui totalement adhéraient avec le protocole d'accord primature, mais il faut reconnaître des partis importants, eux-mêmes, ils n'ont pas avancé dans le cadre du protocole d'accord. Est-ce qu'il y a une possibilité pour une conciliation, en tout cas, entre Montana et ce protocole d'accord? Ben jusqu'à présent, pas gagné de certitude là-dessus. Donc, Kado a bien entendu à répondre présent pour rencontrer émissaire Yo. Nous prenons connaissance de mission Yo. Et bien entendu, ça m'explique au là, nous-mêmes, n'a toujours exprimé la nécessité autant que le possible pour plus secteurs rejoignent autour de gouvernance transitoire ça en attendant gagner de bonnes élections. Et pour gagner de bonnes élections, impérativement, Louko, faut que gagner plus ce secteur qui engagé autour de accord politique, puisque la Constitution, malheureusement, pas répondre, et en tout cas, pas y a des dispositions constitutionnelles qui permettent aucun gouvernement fonctionner, si ce n'est dans le cadre d'un accord politique qui regroupait autant de secteurs, autant de forces vives dans le pays. D'accord. Merci en pile, député Abel de Colline. Merci en pile. Bon travail. Merci. Ok, merci en pile. Bon, voilà, c'est donc député Abel de Colline. Il y a quelqu'un de la République dominicaine qui est donc sur la ligne. Vérifie pour voir si c'est si un amoun qui a un rapport avec les questions que nous avons regardées tout à l'heure. Ok, alors, il faut que nous disions nous avons deux points. Nous allons pas l'entrer dans notre point 1, qui c'est question et émissaire qui est donc qui participe dans le pays. Hein. Mais avant, nous voulons assurer que nous faisons parler avec étudiants qui en République dominicaine sur ce qui passé hier donc dans consulat haïtien et dans République dominicaine en fait à Santiago, OK? Pour qu'on joigne. Alors gagne là. Qu'est-ce qu'il a? James Jacques. OK, merci en pile. Eh bien, OK, très bon. OK, là je suis bien content que nous gagnions James Jacques et nous pourrons parler avec James Jacques justement qui c'est consul général donc madame monsieur donc à au consulat donc d'Haïti Santiago. À Santiago. Monsieur le consul général, bonjour, bienvenue à l'émission Antenne Débat, comment on est? Bonjour, Ko, bonjour l'exidor, bonjour matin à tous. Bonjour à tout auditeur et auditrice et matin débat, pour me préciser. Moi c'est Louko, ça tout le monde qui branché et radio à dans moment ça. Très bien. OK. Les toutes clarifications. Très bien, exactement. Monsieur James Jacques, alors dans matin débat, on connaît que et nous avons pratiquement et toute l'université qui est haïtien, étudiant haïtien là-bas, il y a des matins de débat. Nous avons pile message d'étudiants haïtiens, nous avons des vidéos. Chaque passé hier dans le consulat d'Haïti, donc à Santiago, avec les étudiants haïtiens. Et plusieurs fois, malheureux et bon,
pour tout, qui est publié. Bon, ici, dans malheureux, qui passe sous base, je m'en dis, moi, je me suis dit, parce que je ne suis pas pour être à gagner, on l'autre bagage qui à la base de ça, dès que les gens qui ont essayé de garder, c'est pas pour l'autre bagage, parce qu'en réalité, que l'opinion a mis là. Alors, c'est que la question pour régulariser le statut étudiant, parce que moi, nous connaissons que bon quantité haïtien, jeune haïtien qui est entré ici à Santiago, en fait, en République Dominicaine, qui vient à visa touriste. Et à visa touriste, nous tous connaissons, on n'a pas qu'à étudier dans aucun pays. C'est à partir de, par exemple, pour la République Dominicaine, à partir de 30 jours par légal encore. Mm-hmm. Du coup, étudiants ont une situation côté, de temps en temps, ils sont obligés, non seulement de descendre à la banque, à le checker, mais tout, ils ont l'argent à payer. Ça veut dire que c'est une situation qui était très difficile pour eux. Et moi-même, avec l'ambassadeur, nous rencontrons en plusieurs occasions avec le représentant du gouvernement dominicain. Et nous avons eu un accord dans le mois de dépassé à régulariser la situation. Nous avons eu ça et visa spéciaux pour la régularisation des étudiants haïtiens en République dominicaine. Okay. C'est ça à quoi tu es. Quand il y a l'enfin de jouer un accord, c'est au côté deuxièmement qui vient pour ce processus après le fait. Et c'est là le problème. Parce que dans le processus là, il y a un retard, j'ai envie de dire qu'il y a considérable qui dérange les étudiants, ce que nous reconnaissons de côté par. Le problème qui est, c'est que étudiants, et ça me fait comprendre, étudiants n'ont pas saisi le processus là. Visa étudiants, ce n'est pas consulat ni ambassade de Cap-Bayo, c'est le gouvernement dominicain de Cap-Bayo à travers consulat dominicain de Port-au-Prince dans Pétionville là, okay. Et à travers le consulat Waname et au Cap-Haïtien que ont gagné dans le Nord. Donc moi-même, par exemple, dans Santiago, je vais mettre le passeport au bail. Je vais construire la Waname avec le Cap-Haïtien pour mettre le visa. Et puis pour nous tourner, pour nous mettre étudiant. En réalité, là, nous finissons de nous jouer à quoi? Nous avons le job dans le processus, c'est un job d'intermédiaire. C'est-à-dire recevoir le passeport dans mes étudiants, pour aller dans le consulat, aller recevoir dans le consulat, pour venir nous mettre étudiant. C'est ça que nous gagnons comme rôle. Donc nous sommes obligés, nous attendons chaque temps. Gouvernement dominicain relève pour dire que voyez 150 passeports, voyez 200 passeports vini puis vous mettez visa pour nous cas pour nous mettre visa. Mais étudiants, bon, j'aime toujours dire, les rencontrer ça avec eux, ils sont impatients parce que ils ont pas de papiers dans mes yeux qu'on est. L'autre bois c'est à travers maison de transfert recevoir quoi pour payer car pour payer l'école pour manger. Donc ils viennent en difficulté pour recevoir quoi pour manger. Je me rencontre avec eux première fois. De dire, si vous avez un problème qui besoin de passeport, il vient prendre un service à nous faire avec. Et puis, il y a un visa à nous pour continuer, pour que ce soit pour mettre le visa. D'ailleurs, nous commençons à faire un visa, en fait. Nous commençons à recevoir un visa et remettre passeport. En total, sur la République dominicaine, nous avons 800 déjà. L'ambassade là, nous avons 800. L'ambassade d'Haïti à la République dominicaine, nous avons 800. Moi-même, bon côté, nous avons 800. Et nous avons 250, nous avons 200 dans Waname, nous avons 50 qui sont au Cap-Haïtien, et nous avons 100. Maintenant, les étudiants viennent. Le problème qui pose, c'est que chaque temps que le passeport vient, par exemple, dès que ce passeport vient, le groupe étudiant vient jouer là, comme on fait, nous n'avons pas la dame, nous étions là avant, etc. Mais dernière fois, il y a 46 passeports qui ont été voués venir, et puis moi, je dis étudiant ça, étudiant, je dis nous n'avons pas la dame, comment nous faisons pas la dame, etc. Il y a annoncé manifestation. Alors, il faut il y a annoncé manifestation sur les réseaux sociaux, et moi, moi une note là, il y a annoncé qu'il y a très violent. Ah bon? Comme yo dit yo dit notre même que parle très violent. Bon chercher notre là pour ca. Bébé. Pour ca joindre ni que yo voyer sur réseau yo. Yo dit et yo parle pour ces gens venir là, yo pas tendre rien, yo pas prendre parole et faut que yo joindre, faut que ferme consulat là. Faut que ferme consulat parce que nous pas étudier rien, nous pas bail visa et cetera. Me dit bon, moi même pour éviter dérapage, ça me fait moi fermer. Alors, il m'a passé une note à vous pour m'en parler.